Alors, Axel Méril, ouais. On te présente comme l'ambassadeur de l'humour au Bénin. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes ou c'est lourd à porter? Non, moi je dis toujours, pas humour. Peut-être, moi je suis plus dans le... J'aspire plus au cinéma. Moi, l'humour, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui était à la mode dans mon temps. D'accord. Quand j'ai commencé les vidéos. Et je suis juste... j'ai participé à la danse, comme je vais dire. J'ai participé à la danse parce que j'ai la chance que je peux faire à peu près... Je peux faire beaucoup de choses. Je peux faire beaucoup de choses. Donc, je cherchais à un moment comment faire pour encore plus me montrer, essayer de me mettre en valeur ou bien qu'on dise « Ah, il y a un gars qui s'appelle Axel Méril. » Donc, du coup, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit « Ah, on va faire ça, on va faire un peu d'humour, on va faire un peu de danse, on va faire un peu de parodie, de musique. » Donc du coup, c'est dans tout ça en fait, qu'on m'a catégorisé dans web humoriste. Sinon, aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui que j'ai commencé vraiment à rentrer dans le cinéma. Bien parce sûr. Que j'ai déjà fait deux courts-métrages. Ça se passe bien? Ouais, j'ai fait un court-métrage en France et un court-métrage au Bénin il y a un mois. Donc ça commence bien quand même. D'accord. Karina? Super. Moi, je vais poser la question à Camille. Camille, comment un ingénieur dans le domaine du nucléaire se retrouve dans l'humour? Hé, il te dit, hein? Mais pourquoi tu fais ça? Alors, il faut séparer les choses. Quand on parle du nucléaire, il y a le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Je ne suis pas dans le domaine du militaire, mais plutôt du civil. C'est-à-dire la production d'électricité à très grande importance. Donc, on va dire que j'ai commencé les vidéos en 2017, hein, quand j'étais encore étudiant. Je faisais quelques événements, j'étais un peu photographe et tout. Et il y avait des creux où mon matériel dormait. Et on va dire que... Il n'y a pas Gombo. Voilà, tu vois. Et à l'époque, vous connaissez tous Willem et tout. Je pense que je me suis beaucoup identifié à lui, il m'a motivé et tout. Et c'est là que j'ai commencé les vidéos. Mais je n'en ai pas fait une grande partie de ma vie, on va dire, c'était vraiment une passion. C'est que récemment, il y a 2 ans, là, que j'ai commencé à être vraiment plus... fréquent sur les réseaux et plus productif. D'accord. Oui. D'accord. Tu voulais enchérir, hein? Ouais, moi, en fait, tu pouvais rester là-bas pour travailler avec les grandes puissances. Pourquoi tu viens faire tu pourrais être un expert là-bas, tu pourrais travailler avec les puissances. Il y a Pontier là-bas. Je suis... Bah, je travaille. De toute façon, tu développes avec tes vidéos, tu développes, tu pouvais... C'était... Il y a un moment, il y a un creux, mais tu pouvais rester là-bas, insister, parce que là-bas, quand ça prend, là... Moi, ton ami. Ah. Ah. Le Djoula, pose-lui la fameuse question. Hein? Pose-lui la fameuse question. C'est moi, je suis Djoula. Ok. Tu connais les Djoula? J'en ai entendu parler. C'est des gens qui aiment l'argent. L'argent. C'est comme les Bamilé qui savent chercher l'argent. Tu vois? Okay. Ce que tu fais là. Oui. Ce que tu es en train de faire là. Oui. Est-ce que tu gagnes l'argent dedans? Dans quoi? Comédie ou ma vie d'ingénieur? Non, on parle pas dans... Tu es ingénieur toujours, tu travailles là-bas. Oui, je travaille, hein. Bon, ok, dans comédie, là, tu gagnes l'argent dedans. Est-ce que dans comédie, je gagne l'argent dedans? Oui, oui. Axel, faut répondre à cette question. Non, non, c'est lui qui a Bah, comme je l'ai dit, la comédie, pour moi, c'est une passion à côté. Et évidemment, j'aspire à en faire... On dit tout ça. Merci. Toujours passion. Merci. C'est ma passion. C'est ma passion. Est-ce qu'il y a l'argent dedans? C'est ça. Si tu t'y mets à fond, oui. Vraiment. Non, tu continues. Tu sais, la question là. C'est pourquoi c'est à moi qu'on parle? Pourquoi? Est-ce que tu gagnes l'argent dedans? Point. Faut pas dire est-ce que. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Bon, voilà, c'est bon. Un peu. Et moi, il veut dire quelque chose. Oui, vas-y. À un moment même là. Tu veux que je dise? Camille me regarde, il dit bon, on dirait que c'est pas mal, hein. Je vais pas laisser le boulot là. Tu veux t'accrocher. Hé, mais Moulou, moi j'ai dit qu'il y a l'argent dedans. C'est vrai que. Bon, toi, il y a l'argent dedans, parce que tu vois cette vidéo là. Ouais. Ça m'a fait plus d'1,5 million. Je sais plus. Mais ça 1 million de vues. Tu as fait la vidéo là. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Alors, selon la Constitution, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, oui. Nous devons déclarer tous les biens de l'année précédente. Madame la gouverneure. Quoi? Allez-y, expliquez-nous. Vous avez été l'argent dans ça là-bas. Vous avez été payé, madame la gouverneure. Facebook, là, il y a monétisation, c'est ce qu'on a besoin de parler. Madame la gouverneure. La question qu'il a posée. La question que j'ai posée là, c'est simple. Oui. C'est mon frère, toujours il me paye. Ah. Donc, il n'a pas voulu me payer pour une vidéo. Mais toujours là, quand il dit mon frère, allô, c'est comment?
ça tombe. Oh. Camille, merci pour ma tu sais que tu es mon frère aussi. Camille. Ok,